la source de la Loue est située à Ouin. Elle jaillit d'une grotte creusée dans un cirque rocheux de 150 mètres de haut. Mais d'où vient cette source? Août 1901, Pontarlier, l'usine Pernod a pris feu. Que produit cette usine? De l'absinthe. L'alcool est déversé par centaines de litres dans l'eau d'eau pour éviter l'explosion des cuves. Deux jours plus tard, la Loue a pris une drôle de couleur verte, ainsi qu'une odeur et un goût anisé. La Loue est donc une résurgente souterraine du Doubs. Cette source, je la connais bien. Très bien même. J'y suis venu de nombreuses fois pour m'y promener avec ma grand-mère. Cela fait partie de ces quelques lieux qui te marquent à vie. Dans mes souvenirs, c'était un lieu plus sauvage. Pour y parvenir, il fallait emprunter des petits chemins en passant par la forêt. Mais les années ont passé et un extraordinaire aménagement a été réalisé. Oui, c'est beau, magnifique. Mais je reste accroché à mes souvenirs de ce lieu plus sauvage. La chapelle Notre-Dame-des-Anges trône au sommet de la petite colline et domine la source de la Loue. Elle fut édifiée au XIXe siècle par la paroisse d'Ouen en témoignage de reconnaissance à la Sainte Vierge pour sa préservation du village. Thank you.